Alors, donc je suis en train de construire ici un baraquement militaire. Les flottes se déplacent. Ouais. Bon, bah, écoute, nous allons aller aux Amériques ou en Inde, je ne sais pas. D'abord aux Amériques. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut construire là-bas? Alors, je peux améliorer le port de guerre. Bon, ça me sert à rien puisqu'il n'y a pas de commerce. Ici, par contre, je peux agrandir la plantation. Je n'ai plus assez maintenant pour agrandir. Ok. Et en Inde. Bon, ça y est, j'ai une belle armée. Je commence, je veux dire, à avoir une armée, voilà, conséquente. Alors, où en sont nos marathes? Ça y est, ils sont en train de tout conquérir, hein, là. Ah ouais. Il reste plus rien pratiquement aux Moghols. Je me demande si c'est pas le moment d'attaquer. Je ne sais pas. Alors, ces navires-là, voilà, bah tiens, on va les mettre ici pour. Alors, le fameux galion, il me coûte 579 de réparation quand même. Rien. Et je répare aussi. La flûte Boetseler. Bien. Je vais recruter. Alors, comment caler cette armée? Bon, bah, je vais recruter de l'infanterie. Voilà. Je reviens en Europe. Alors, nous sommes donc en guerre avec l'Espagne, hein, c'est ça. Ici, j'ai mon petit aviso Europa, c'est bien, d'accord. La France paye des impôts. Elle est bien tenue. Bon, bah, ça va. Est-ce que je peux construire quelque chose? Non, avec ça. Bon, eh bien, voyons voir. Ah, ça va être le dernier tour. Ah, mince, c'est dommage. Je vais arrêter le film à peine commencé. Bon, non, on dira que ce sera le début parce que c'est pas possible de. Ce sera le début du livre 5. Bon. Il n'y a pas de problème. Et dans le commerce, tout va bien pour le moment. Mais ça n'a pas duré, je pense. Mes régions. D'accord. Et mes agents. Qu'est-ce que je vais l'envoyer? Bon, bah c'est bon, il est bien aussi là-bas. Bon, j'ai pas besoin de bouger. Les flottes. Alors elles, par contre. Très bien. Donc, elles sont toutes. Ok. Bon.
Nous allons donc commencer le livre 5, alors. À l'hiver 1717. C'est étrange, ça. Non, non, c'est encore le même gouvernement, je crois. Ce sera la fin du tour. Non? Je sais pas, on verra. Nous verrons. Alors, l'Espagne continue à... Non, finalement, elle ne nous a pas encore attaqué. Bon, bah, de toute façon, le plan, c'est de prendre Caracas et toutes les îles espagnoles. On va faire ça rapidement aux Amériques. Et puis en Europe, bah, leur faire la guerre pour prendre l'Espagne. Ah, alors, que veulent-ils? La paix contre les îles Windward. Je vois pourquoi ils veulent absolument des îles en Amérique. Eh bien, nous refusons. Nous refusons. Alors, les Marathes, ils sont en train de prendre Calcutta ou pas? Peut-être, je sais pas où ils vont le faire. On voit qu'ils ont une flotte énorme. Faudra se méfier de ces gens-là. Fi donc. Oh, les Amériques s'en prennent au Canada, c'est ça? L'avancée technologique, machine à vapeur de base, très bien. Aux Pays-Bas, nous avons notre école d'entraînement. Et voilà, de nouvelles élections. Donc c'est ça, c'est le nouveau livre, le cinquième livre. Et c'est donc un nouveau gouvernement, avec un nouveau grand pensionnaire. Apparemment, il y a juste le secrétaire des Amirautés qui n'est pas de bonne qualité. Nous verrons ça. Maître d'usine pour le gentilhomme. Et aussi professeur émérite. Notre nouveau président, c'est Martin Boll. Et nous avons recruté. Donc c'était en hiver 1717 qu'il y a eu des élections. Assez étrange, je pense. Enfin bon. Alors... En Amérique, nous allons continuer notre course vers Caracas. Enfin, plutôt déjà vers Otrobanda. Oh oui, je pense que je vais améliorer le port de guerre. Voilà, je vais améliorer le Capitole. Voilà, comme ça. Et je vais construire des bateaux de commerce aussi. Voilà une flûte qui va partir. Je sais plus où je suis. Je suis là, hein. Non, là. Et on va refaire un autre bateau, une autre flûte, voilà. Non, non, non. Est-ce que j'ai de l'argent pour faire un bateau de guerre plutôt? Ce serait le bateau de guerre, c'est ici. Une flûte. Quatrième rang, je peux pas, mais je peux faire un cinquième rang. Voilà. Très bien. Alors, je vais donc attaquer l'Espagne. Alors, soit je l'attaque par mer, soit je l'attaque par terre. Que fais-je?
vais déjà sortir de la ville de Paris, voir s'il y a des révoltes en sortant. Ça va. Donc on va aller vers l'Espagne. Je vais envoyer donc le général Gisbert Cruise faire la conquête de l'Espagne. Et je vais recruter une milice à Paris. Donc ici, je vais attaquer l'Espagne. Aux Amériques. Nous allons aussi attaquer l'Espagne à Caracas. Ensuite, une fois qu'on aura pris Caracas, on s'attaquera aux îles espagnoles de Hispaniola et de Cuba. Et sur le continent, nous continuerons la progression. Voilà, on peut faire ça comme plan. Ensuite, que se passe-t-il au nord? Effectivement, les États-Unis sont en train de s'agrandir. Ils ont déjà apparemment 4 territoires. Vont-ils prendre New York aux Anglais? Et ce sera peut-être contre eux qu'il faudra qu'on fasse la guerre après, je ne sais pas. Nous verrons. Alors ce qui serait peut-être bien, ce serait de faire une conquête. On verra. Non, ça c'est pas. Faut pas penser trop loin. Quant ici, bon, on va falloir se décider à les attaquer. Mais je ne suis pas encore prêt. Il faudra faire des batailles navales d'abord, je pense. Alors ensuite, sur les comptoirs, là je ne vois rien. Ici, non plus. Là, il y a. Ah, l'Empire ottoman a succédé aux Espagnols. Il y avait des Espagnols ici, me semble-t-il, oui. Donc les Espagnols, à mon avis, vont venir m'attaquer sur ma grande flotte. Que je vais mettre ici. C'est quoi ça? Ah, c'est ma rate. Alors là, j'ai fait une grosse erreur de stratégique. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les marates? Bon, et ben voilà, j'ai fait une erreur. J'ai pas vu qu'il y avait quelque chose ici. Mais c'est pas grave. Sauf, c'est pas grave, sauf du point de vue économique. Justement, voyons voir si je n'ai pas. Bon, ça va, c'est pas trop grave. Ok. Donc le galion et la flûte réparés repartent. Rejoindre la flotte commerçante. Alors ici, mon armée a avancé. Bon, ben on va passer à 1718. Les Espagnols font surtout la guerre apparemment dans la mer Méditerranée. Le gentilhomme espagnol n'arrive pas à rentrer dans l'école d'Utrecht. La Russie et les Ottomans continuent à se battre. Hop, voilà, ça y est, l'Empire Marat, je crois, a conquis Calcutta. Ça va être vraiment la grande.
grand ennui, les grandes batailles vont être contre, je pense, contre les Marathes, hein, mais on verra. Ah, Québec. Ah, enfin. Un nouveau libertin. À Bruxelles. Ah bah oui, c'est vrai que je vais faire la guerre. Donc il faudrait... Non! Oh, n'importe quoi. C'était le libertin. Voilà. C'était mon libertin que je voulais amener par là. Voilà. Pierre Bride a une maîtresse. J'ai un envoyé protestant. Ah, excellent. Peut-être que l'autre est mort, alors. Non. Alors, un protestant, j'en ai besoin pour où? Pour ici, justement. Voilà. Voilà, ça y est, le protestantisme est en train de grandir, de s'améliorer. Une unité recrutée en France. Et Barbe Noire est finalement tuée. Très bien. Alors, oui, alors ça, c'est l'espion. J'avais un espion en Autriche aussi, qui devait se rendre. Voilà. Chez les Espagnols. Donc ici, il y a des Espagnols, malgré les apparences. Hein. Mais moi, je vais aller directement attaquer en Espagne. Voilà. Ouh, la France. Évidemment. Qu'est-ce qui va pas en France alors? Ah, il y a une personne du gouvernement qui déplaît. Et puis, bien sûr, la révolte. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire pour pallier à cette révolte? On va déjà lever des troupes, hein. Voilà. Ensuite, améliorer des bâtiments qui donnent du bonheur. Une école religieuse, par exemple. Qui devient une école du chapitre. Plus de bonheur, voilà. Et on va baisser l'impôt. Alors, les conséquences. On va être en banqueroute. En fait, mon économie n'est pas très sûre. Hein. Bon, alors là, j'ai fait une. Ouais, je vais me remettre là-bas, alors, hein, tant pis. Je pensais que. Voilà. Oh là là, on passe dans les. De 8000 à... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Alors, pour quelle raison je voulais le faire aller à... Ah oui, pour chercher les canons. C'est ça. Voilà. Ici, il y a de l'artillerie, normalement. Exactement. Elle va monter l'artillerie seulement. Enfin, on va lui faire monter. Alors, tiens, bah lui, il va débarquer. Et les deux canons. Voilà. Ok. Alors, une des deux, la ministre des Flandres, va se mettre dans le...
Voilà. Et la marine va débarquer l'armée près de Caracas. Voilà. Caracas qui n'est pas défendu par des fortifications et qui sera sûrement très facile à prendre. Et en Espagne, enfin en France, soit je me lance dans la guerre tout de suite. Oui, bah oui, on va pas attendre, hein. Ah bah non, bah c'est... D'accord, ok. Bien, et ben je crois que c'est tout ce qu'on va faire pour ce tour-ci. On va en rester là. Et on va se retrouver à l'épisode prochain.